Salut les mecs, comment vous allez? Comme vous pouvez voir, derrière moi, les choses bougent. On a vendu certaines machines, d'autres arrivent, etc. C'est ce qu'on avait prévu. Une fois, ça va comme on veut. Non, je rigole. Ici, ça va toujours comme on veut parce que c'est que de l'éclate. C'est que de l'éclate et c'est ce qui fait le bonheur des choses. Aujourd'hui, nous allons parler d'un shrapnel. Tout d'abord, je vous invite tous à faire quelque chose pour moi. Pour une fois, je vais vous demander de faire un truc pour moi. C'est de remercier le nain d'atelier et là vous avez demandé pourquoi. C'est parce que le nain d'atelier a fait quelque chose pour moi et Gigi. Donc moi et Gigi bien sûr on remercie le nain d'atelier infiniment pour ce qu'il a fait. Et je vous invite à le remercier aussi parce que ce qu'il a fait est la cause pour laquelle il n'y a pas eu l'interruption vidéo qu'on avait prévue. Je vous avais dit on aura moins de vidéos, on aura moins de matériel, on fera un peu moins de choses parce que j'ai énormément de projets, enfin de choses à faire encore ailleurs que évidemment dans le loisir d'ARC. Et il a fait le nécessaire pour que ça n'arrive pas, tout simplement, il a pris congé. Et ce qui m'aurait coûté du temps, c'est que je voulais repeindre tout l'intérieur de la maison. Tout repasser en blanc, en changer les couleurs, installer de nouveaux équipements pour ma Gigi. Et le nain est venu me voir, il m'a dit, écoute, j'ai pris congé. Toi, ton rayon, c'est l'américain ARC. Moi, mon rayon, c'est le bâtiment. Donc, ce qu'on va se passer, c'est qu'au lieu que je t'aide à faire ça, plus ça, c'est que je vais tout faire. Donc, il a fait toute la peinture. Le mec bouché tous les trous, refait tous les joints, installé la haute, etc., etc. Il y en a eu pour 3 semaines de boulot là-haut, sur les 2 étages, à tout refaire propre comme on voulait. Et pendant ce temps, moi, j'ai pu turbiner à fond dans l'atelier. Et comme ça suffisait pas, entre les couches, le séchage, le nain est descendu et a refait ses machines. On a donc son ancien HyperST Pro là et son ancien HyperSS, puisque il a reçu de ma part le Arma Talion en échange de ces 2 véhicules qui étaient en piteux état, hein, parce qu'ils lui ont servi à redécouvrir le monde de la RC en brushless et faire le cochon avec. Ce à quoi elles ont servi. La preuve qu'elles sont bonnes, c'est qu'elles sont toujours là. Évidemment, on a dû démonter les 2 machines, les refaire, etc., etc. Et les voici. On a donc un Hobau Hyper SS Cage à la base, qu'il avait acheté neuf à l'époque ici. La cage, fatalement, quand tu fais cochon, c'est une cage en alu, elle s'écrabouille, elle meurt, elle n'est pas de fait pour. C'est vraiment le look cage, c'est super beau, mais c'est fait pour rouler tranquillou. Il a donc une carangue à sable de Typhon orange, puisque le châssis orange, les tourelles sont orange, il voulait faire du orange à fond. L'engin a tout vécu, écrasement, écrabouillement par X-Max, gros crash, etc., etc., etc. Il a vécu, regarde, il est frotté, bouffé en dessous, même la cale de renfort en inox devant a commencé à être fraisée à force de rouler dans le gros tout-terrain avec à poursuivre les X-Max. Les tourelles ont déjà été redressées un petit peu, enfin même pas, non, l'avant, c'était pas l'avant, c'est uniquement l'arrière hein, qui est un tout petit peu tordu. Le cage a un rail à gauche, à droite. L'avant est relié directement, uniquement par la direction et la cage au reste. Et l'arrière est uniquement rigidifié par la fixation de la cage. C'est ce qui est un peu dommage, c'est ce qui manque à cette machine. Il n'y a pas de cale entre les trains en fait, et le châssis. L'architecture n'est pas identique au SS normal. Les masses ont été reculées pour pouvoir mettre la cage en place, ce qui fait qu'on n'a pas la place pour les renforts. Donc on avait fait à l'époque différents renforts de devant en derrière, par-dessus avec des biellettes. Et dernièrement, eh ben, on s'est dit, tiens, regarde, il nous reste d'un Kryton Vitesse une des barres de renfort de liaison. On a donc, avec du M4 et des cales, fait ceci. On a donc un méga renfort de châssis. Plus à l'arrière, une cale de train en alu qui rejoint le châssis à la cale de train arrière. On a changé des cardans dont les axes étaient usés. On a changé certains axes où c'était possible. Les noix sont marquées, mais ça va. Je vais t'approcher que tu vois plus près. Regarde. Ça, c'est ce qui me plaît chez Obao. C'est vrai que les axes de noix se bouffent, mais pas la noix ou pas trop. Ce qui fait que toi, tu changes juste ton cardan, t'es reparti. Ça, c'est sympa. C'est la solution que je préfère, c'est l'usure des axes par rapport au reste. Le mieux étant l'idéal, évidemment, des axes interchangeables. Bon, souvent, quand l'axe est usé, la tête de cardan aussi, donc c'est vrai que c'est plus simple de changer le tout. On a changé les roulements qu'il était nécessaire de changer. En huile, on est très dur. Hein. Attention, cet engin-là, on l'a préparé, c'est un shrapnel. Donc, soit vous le sauvez maintenant, soit vous le sauverez après les sauts.
Alors, on a de la 60 000 à l'avant, de la 150 000 au centre et de la 10 000 derrière. La noire arrière, tu vois, elle est un peu plus usée. Hein. Si j'en ai qui traînent encore là, je vous en filerai une autre avec, évidemment, il n'y a pas de souci. Suspension, on l'a fait très dur. On a des pistons 3 trous avec de la 400 CST. Hein. Ça équivaut à, si tu as les anciens pistons 6 trous, à mettre de la 700 ou 800 dedans. Tu vois, on l'a prévu pour être lancé. On a la Hobbywing 4274 2200 kW, mais qui néanmoins contient un rotor de torus. En 4274 aussi. Un vieux variateur connect dont le câble a été arraché plus d'une fois. Je l'avais reçu d'un abonné parce que justement le câble était arraché. On l'avait refait pour le nain d'atelier. Lui aussi avait arraché un câble un coup. Donc ça a encore été fait. Donc en fait le câble a été soudé là et il arrive jusque là. Mais ça fonctionne. Servo, un petit GX 20 kg. On a mis les straps M-Line qui sont hyper méga solides vu que nous allons mettre 6S. Donc j'ai une vieille 6S ici là qui est en train de charger d'ailleurs qui va servir uniquement à envoyer ce machin sur les rampes. Donc le but c'est qu'on va poser les rampes quelque part, on va arriver avec un max d'élan et on va l'envoyer au plus loin et plus haut possible. Alors dans l'idéal j'aimerais faire avec les deux rampes hein, puisque j'ai les rampes standard, les basses. Et j'ai une rampe un peu plus haute, un peu plus haut concave, donc j'aimerais le faire au moins sur les deux. Parce que la grande, elle monte, en fait, elle monte, donc tu iras pas forcément loin, enfin plus loin qu'avec les basses. De l'autre côté, les basses à haute vitesse, il y a un problème, c'est qu'on arrive tellement vite dessus qu'on risque de catapulter les culs de la machine, mais ça on le verra une fois seulement qu'on l'aura fait. Les vieux SS ont des autres triangles. Là, tu vois, tu as la vieille version, là, tu as la nouvelle version. Les nouveaux SS, regarde, les nouveaux triangles ont été renforcés. Enfin, les nouveaux, c'est ceux à partir des châssis gris. C'est la différence entre les V1 et les V2. Ça se monte quand même. La seule chose, c'est qu'il y a une patte en plus ici à l'avant de renfort pour rejoindre devant la cale de train. Donc lui, il l'avait monté, il l'avait coupé. Mais je lui ai dit par la suite, le plus simple aurait été de garder la patte, de mettre un axe plus long. Donc si tu as un SS ancienne génération, tu achètes les triangles nouvelle génération, tu le montes, tout ce que tu vas faire, c'est remplacer l'axe ici, le triangle, par un plus long. Tu mets un plus long et ensuite ce que tu dois faire évidemment c'est décaler ton pare-choc d'un cran en avant. Le pare-choc sera plus loin devant et ce qui fait que tu profiteras de cette patte supplémentaire ici de renfort sur le triangle. Il a un triangle droit en plus, un triangle gauche en plus en rab, au cas où, plus deux ou trois autres petites pièces. Si il survit à ce qu'on va lui faire, il survivra, je suis pas inquiet, avec les renforts qu'on a mis là-dedans. Là, le châssis est tellement rigide avec ces suspensions-là. On a fait un essai dans la rue sur la piste. On a mis le pignon le plus gros possible. On a 21 dents en 4S. On a un petit 80. J'ai fait 5 minutes d'aller-retour dans la rue à fond la caisse. Le moteur était tiède. Donc là, on était surpris parce qu'on était sûr qu'on allait vraiment chauffer avec ça. Parce que le but, c'est pas un étagement pour aller rouler. C'est vraiment juste, on veut l'envoyer sur les rampes. C'est pour ça qu'on l'a refait. On a changé le support d'aileron aussi. Un truc qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais on en avait là. Donc il est vissé avec l'ancrage d'origine ici à l'intérieur. Et par contre, la différence, c'est qu'au lieu d'être relié ici, on est relié directement à la tourelle là-haut. Et je dois dire que c'est presque un peu dommage de l'avoir envoyé sur les rampes. Parce qu'il y a. Hein? Il se comporte super bien, il marche d'enfer. Je suis sûr que là, si on met des bons pneus en roue sur un circuit TT, le bestiau sortirait super bien. En fait, c'est vraiment. On ne pensait pas. Quand on avait fini, on était là, on se disait non, on ne peut pas l'envoyer sur les rampes. C'est un shrapnel trop bien refait. Ça reste un shrapnel, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de récup dessus, il y a des modifs de partout. C'est usé, c'est tout ce que tu veux, mais comme je l'ai dit, ça fonctionne et il sera donc vendu à un prix en conséquence. Donc encore une fois, Michael, merci pour ce que tu as fait, le boulot là-haut, en haut, c'est vraiment super génial d'enfer. On est content, Gigi et moi, et ça, comme tu le sais, quand quelqu'un fait quelque chose qui rend Gigi heureuse, eh ben, de toute façon, il est toujours bien vu. Par contre, gaffe à celui qui l'énerve. Ah, on va faire un petit plaisir à Mikachu aussi. On est à l'atelier à constater quelque chose pendant qu'on travaillait sur le max ici. Je te le montre vite fait. Ceci est mon Traxxas Max.
On viendra sur les détails plus tard. Et quand on a travaillé sur ce projet avec Michael, il a eu une lumière et il s'est rendu compte de pourquoi le BXR, le Hobitech BXR MT est un échec total. Et j'en parle là-dessus parce que c'est un truc qui me tient à cœur en fait. Hein, c'est que il y a beaucoup de débutants qui vont encore se faire avoir par Hobitech. Prenez-le comme vous voulez, chez Hobitech, ça m'est complètement égal. C'est un fait que le BXR MT est un échec. Cet engin est fragile, la carrosserie est très fragile, les pneus sont fragiles, les jantes sont fragiles, la transmission est super fragile, il n'y a aucune protection, c'est un monster truck sans pare-choc. Il y a un petit truc devant, il n'y a rien derrière, on craque la tourelle systématiquement. Il y a tellement, des centaines de gens qui m'ont écrit au sujet de cette machine, j'en ai eu des dizaines et des dizaines ici, avec tous les mêmes problèmes récurrents. Et tous ces gens, cette machine leur a gâché le plaisir de la RC. Et là, Hobitech ressort ce machin full option. Alors, il y a des pièces noires et du carbone en plus, ça reste la même bouse. Donc, s'il vous plaît, les débutants, n'achetez pas cette machine. C'est pour ça qu'on en a parlé avec un atelier. Et là, on s'est rendu compte de pourquoi cette machine est un échec, en fait. Parce que BX RMT. J'ai rien à rajouter de plus. C'est peut-être pour ça que quelqu'un croit qu'il travaille en étroite collaboration avec les marques et qu'il les aide à développer les produits. Sauf que quand les marques ne sont pas au courant, peut-être pas con, mais l'air d'un con. Salut les mecs.